L'été de 1914 est magnifique. Un été de rêve. L'Europe est en paix depuis 44 ans. Les grandes villes sont toutes fières de leurs autos rutilantes de cuivre. Il y a bien des grèves générales et des crises. Mais le progrès fait chaque jour des miracles. Et les hommes ne voient pas la fin du progrès. Ils croient en la paix perpétuelle. « Quels enfants gâtés nous sommes !» écrit un éditorialiste parisien pendant la dernière semaine de ce mois de juin 1914. « 28 juin à Londres. Par un temps ensoleillé, le roi George V et la reine Marie se font conduire à Kensington Palace pour rendre une visite du dimanche à des parents. » « 28 juin à Saint-Pétersbourg, le tsar et sa cour au palais d'été. Rien ne trouble la sérénité de cette cour. » « 28 juin à Kiel, les bateaux anglais saluent l'empereur Guillaume II, qui inaugure le canal de Kiel élargi. Les cuirassés peuvent désormais le franchir pour gagner la Baltique. » Dimanche 28 juin à Belgrade, capitale du jeune royaume de Serbie. Une fête patriotique qui rassemble la foule serbe. Dans la Bosnie, toute proche, également peuplée de Serbes, on prépare une fête. La Bosnie est une province de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Le 28 juin à Sarajevo, en Bosnie. Ce visiteur distingué qui porte un chapeau à plumes est l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'empereur François-Joseph. Sophie, son épouse, l'accompagne. Une bombe vient d'être jetée sur leur voiture. À l'hôtel de ville, il raconte. Il quitte cet hôtel de ville pour gagner la rue principale de Sarajevo. Et là, un garçon les guette. C'est un Serbe, il a un pistolet à la main. Ce garçon va mettre le feu à la poudrière de l'Europe. Pourquoi les rois de l'Europe se feraient-ils la guerre? Ils sont tous cousins. Mai 1910, 4 ans avant l'attentat de Sarajevo, Édouard VII, le roi bien-aimé d'Angleterre, ce cher Édouard, vient de mourir. Son cortège passe dans les rues de Londres. Les rois de l'Europe sont tous présents. 9 rois, 7 reines, les Hohenzollern, les Habsbourg, les Romanov, les Ottomans de Turquie, les princes, les archiducs, les grands-ducs, les ducs, tous frères et neveux. Sa Majesté britannique George V, le nouveau roi, botte à botte avec Guillaume II. Alphonse XIII, roi d'Espagne, est aussi cousin par sa femme du roi George. On reconnaît dans le cortège l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, celui qui, 4 ans plus tard, ira mourir à Sarajevo. Son principal ennemi, Alexandre de Serbie, chevauche à ses côtés. Tous ces rois ou presque vont disparaître dans l'incendie de l'Europe. Voici le petit roi du Danemark, un pays ami de l'Angleterre. La sœur de Christian IX avait épousé Édouard VII, notre cher Édouard d'Angleterre. Les familles royales du Danemark et d'Angleterre ont colonisé les trônes d'Europe et répandu partout leur parentèle. Victoria, la mère d'Édouard VII, avait 34 petits-enfants et 77 petits-petits-enfants. Le petit-fils, descendant à la fois de Christian du Danemark et de Victoria d'Angleterre, est précisément le nouveau roi George V. George V a du reste épousé une cousine, Marie, qui lui donnera une fille et 5 fils, dont 2 deviendront des rois. Le plus illustre des cousins du roi d'Angleterre est son impériale majesté Nicolas II, empereur de toutes les Russies. Il est tsar depuis 1894. Il a épousé une princesse allemande dont il a 4 filles charmantes
et un fils malade atteint d'hémophilie. La tsarine Alexandra, que le tsar appelle Sonny, est la cousine de l'empereur Guillaume II et la petite-fille de la reine Victoria. Pourquoi les Russes et les Allemands se feraient-ils la guerre? Et les Anglais et les Allemands, ils sont tous parents. Pourtant, à Sarajevo, le sort de ces dynasties est en question. Il faut dire que les rois ne s'entendent pas. Guillaume II a toujours détesté son oncle Édouard VII, qui le lui rend bien. Il l'appelait le plus brillant avorton de l'histoire. Guillaume avait pour femme une Allemande, Augusta Victoria, pieuse et soumise. George V, le royal cousin de Guillaume, avait sur lui un avantage. Il avait le monde pour empire. Et Guillaume enragé de le savoir couronné empereur des Indes. Il se consolait en disant qu'il n'était qu'un roi sans pouvoir, les mains liées par sa constitution. Mais Georges avait une flotte, la première du monde, plus puissante que les deux autres flottes suivantes réunies. Guillaume, qui aimait la mer, était furieux de cette supériorité britannique. Le roi Georges adorait la mer. Sur son yacht, le Britannia, il remportait souvent la victoire aux régates organisées à Kau sur son impérial cousin qui paradait sur le Hohenzollern. Ces régates étaient l'occasion d'une âpre et symbolique rivalité. Ses souverains se retrouvaient aussi à la chasse à cour, bien sûr. Le tsar vivait en famille dans ses palais, sans s'émouvoir du trouble et de l'agitation de son empire. Cet autocrate, qui s'était trompé de siècle, vivait dans la crainte à cause de l'incurable maladie de son fils unique, qui lui semblait un singulier présage tout à fait funeste, envoyé par Dieu. L'empereur Guillaume cachait en permanence son bras atrophié, un accident de naissance. Il compensait cette infirmité en chassant le cerf dans les forêts de Prusse, avec de rudes compagnons prussiens, la fine fleur des Junkers. Le sort du monde dépend de ce Guillaume dont l'armée est la plus puissante d'Europe. Il aime la chose militaire et ne s'en cache pas. Il a d'ailleurs une selle dans son bureau car il aime le cheval beaucoup plus que le bureau. Ses 12 valets repassent en permanence les 200 uniformes de sa collection. Quand il visite un aquarium, il s'habille, c'est la moindre des choses, en amiral de la flotte. La reine Victoria, qui connaît les faiblesses de son petit-fils, lui a donné un uniforme de général anglais. Guillaume aime se moquer de ses ministres. À l'occasion, il leur botte les fesses, en les traitant de baudets, de niais et de têtes de mouton. La paix de l'Europe dépend de ce cerveau malade. Comment réagira-t-il après Sarajevo ? Nul ne peut le prévoir.
En attendant, les princes font du sport. Frédéric Guillaume, le prince héritier, aime le bobsleigh. Il y entraîne sa suite de nouveaux riches et de junkers prussiens. Pour eux, la vie, c'est le sport et les voyages. Une vie de rêve. Daimler est là. Il a construit les premières automobiles allemandes. Le Kaiser est fasciné par les courses d'auto. Il n'est pas le seul. Les foules se rassemblent à l'arrivée des courses. Bientôt, les soldats circuleront en camion. En 1909, le Kaiser en personne a assisté à la première démonstration d'aéroplane en Allemagne. Quel atout pour l'observation en guerre. Le comte Ferdinand Zeppelin a reçu une commande officielle de 420 ballons. Ils porteront son nom, les Zeppelins, et seront capables de traverser la mer pour aller bombarder les villes anglaises. Voler devient à la mode, et les riches héritières, en France, se flattent de monter en ballon. L'automobile devient vulgaire, l'avion à la côte. Comment imaginer que l'Europe est au bord du gouffre quand la gentry monte au ciel et que ces engins volants deviendront des engins de mort? Le Kaiser est le plus agité des souverains. Il ne rêve que d'armée et de marine. Il enrage d'être dépassé sur mer par les Anglais qu'il déteste. Il sait qu'il est sur terre le plus fort. S'il fronce le sourcil, c'est la guerre assurée. Son armée est prête en permanence. Son armée, sa marine, sont prêtes en permanence. L'industrie allemande est en pleine croissance. Le Kaiser a dit « Dieu nous a élus pour civiliser le monde. Nous sommes les missionnaires du progrès humain. » Les rois se détestent, mais ils se rendent souvent visite. Voici Guillaume à Venise. Il brûle de refaire une alliance avec l'Italie. Il voyage souvent et traite royalement ses cousins quand ils viennent à Berlin. Le roi Georges d'Angleterre y parade, coiffé d'un casque à pointe. Pouvait-il manquer sans offense la cérémonie de mariage de la fille du Kaiser ? Georges V est souvent reçu à Paris. Son père Édouard était l'idole des Parisiennes. Guillaume n'y est venu qu'une fois quand il avait 19 ans. Il ne veut pas y revenir parce qu'il déteste les Parisiens qu'il trouve légers, capricieux. Quant aux Serbes, c'est l'affaire de son voisin d'Autriche. Sarajevo. Qui entend les coups de pistolet dans la fête le 28 juin 1914 ? L'archiduc s'écroule, son épouse est atteinte. On arrête Principe, l'étudiant, un assassin. Oui, Principe a tué l'archiduc et sa femme. Les soldats autrichiens fouillent Sarajevo pierre par pierre.
Les corps des victimes sont embarqués pour Vienne, pour y être enterrés avec pompe. L'empereur François-Joseph n'aimait pas son neveu, qu'il trouvait trop favorable aux Slaves. L'archiduc n'était guère populaire dans Vienne, en raison de ses sympathies pour les Bosniaques. Et pourtant, la foule était au rendez-vous des funérailles. Avait-elle le sentiment que la guerre était proche? Elle cherchait des yeux François-Joseph, son vieux souverain de 84 ans. Pas de réaction dans les capitales européennes. Les ministres partaient en vacances. Londres, Paris étaient déserts. Les gens riches, les classes moyennes à col blanc, partaient pour la campagne ou pour les bains de mer. Londres avait triplé. Berlin gagnait 1 million d'habitants tous les 10 ans. Dans ces énormes capitales, la vie était dure, le travail exigeant, les communications difficiles. Les autobus, les fiacres, les premières automobiles créaient les embarras de Paris, de Londres ou de Berlin. On comptait déjà dans Paris 10 000 taxis. Depuis 1905, heureusement, les Parisiens prenaient le métro et pas seulement l'autobus. Les pauvres étaient indifférents. Ils ne lisaient pas la rubrique étrangère des journaux, mais seulement les demandes d'emploi et le résultat des loteries. Les grèves, le chômage, les taudis étaient dans les capitales les plus modernes leur lot quotidien. Les grèves surtout étaient la plaie des grandes villes. À Londres, elles étaient générales. Les dockers, les cheminots, les conducteurs de bus, les gens du bâtiment, les mineurs dans les bassins houillés pouvaient mettre le pays à genoux. Il en était de même en France ou en Belgique. Même les femmes se mettaient de la partie, exigeant des droits égaux à ceux des hommes. Madame Pankhurst, la suffragette, était la plus ardente. Les femmes n'hésitaient pas en Angleterre à affronter la police. Les hommes et les femmes, les syndicats surtout, considéraient la guerre comme un jeu cruel imposé par les gouvernements. Ils n'en voulaient à aucun prix. Il ne serait pas facile de mobiliser les leaders des grèves générales révolutionnaires. Guillaume II veut une flotte et un empire colonial, comme l'Angleterre. C'est contre l'Angleterre qui
qu'il voulait entraîner dans une alliance continentale la Russie et la France. Il rend deux fois visite au sultan turc Abdulhamid II, dit Abdul le Damné. Ces visites inquiètent l'Angleterre, qui tient toute la Méditerranée orientale, et la Russie qui surveille les détroits des Dardanelles. Il n'est pas question que l'Allemagne soit présente à Constantinople. Quand éclate le drame de Sarajevo, l'Europe est partagée en deux systèmes d'alliances armées. Celle de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie est la plus redoutable, celle de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie est récente mais agressive. Elle fait craindre à Guillaume II un gigantesque encerclement. Le seul allié loyal du Kaiser, c'est bien sûr l'empereur d'Autriche-Hongrie. Les attentions que lui prodigue Guillaume II flattent le vieux François-Joseph. Mais c'est un homme d'un autre temps, qui a beaucoup de soucis avec sa double monarchie où les Slaves s'agitent en permanence. L'Autriche a été évincée d'Allemagne par la Prusse et ne peut plus compter dans son expansion que sur le sud de l'Europe. Si les Serbes réussissent à déséquilibrer la monarchie, elle ne peut réagir que par la guerre. François-Joseph en est conscient. Même s'il garde les habitudes de pensée d'un souverain du XIXe siècle, on vivait à Vienne dans une cour d'opérette, ignorant le danger. On ne sentait pas la guerre venir. Seul le parti des militaires l'espérait. Quand le prince héritier François Ferdinand se promenait dans Vienne, on lui offrait des fleurs. Après le 28 juin 1914, après l'attentat de Sarajevo, c'est aux soldats mobilisés que l'on offre des fleurs dans la rue, pour qu'ils les mettent dans le canon de leur fusil. Les coups de feu de Princip, l'étudiant bosniaque, ont interrompu les musiques de fête. Le Kaiser passe en revue son infanterie prussienne, comme s'il partait déjà en guerre. Le comte Léopold von Berchtold, soutenu à Vienne par Konrad von Oestendorf, le chef d'état-major, prend le pouls du Kaiser. Le 8 juillet, il obtient l'assurance que l'Allemagne soutiendra l'Autriche dans l'affaire serbe. Jusqu'au bout, cette fois, la guerre est en vue. Ce chèque en blanc est décisif. Il entraîne le système des alliances vers la guerre. Le Kaiser est en croisière d'été. Il reçoit un télégramme du chancelier d'Allemagne, Theobald von Bentmann-Hollweg. Konrad von Oestendorf veut la guerre. Le Kaiser persiste. Il laisse le fidèle allié autrichien en finir avec ce misérable petit peuple serbe qui ose troubler la quiétude de cet été impérial. La guerre est en vue. Cela n'empêche pas Guillaume II de revenir à sa passion nautique et d'appareiller pour les fjords de Norvège, comme il le fait chaque année. Les rois de l'Europe ne changent en rien leur programme. George V préside la revue navale annuelle de la Royal Navy dans le Channel. Le président de la République française, Raymond Poincaré, est en visite officielle en Russie.
Il a l'intention de renforcer l'alliance militaire conclue avec le tsar en cas d'agression de l'un ou l'autre pays par une tierce puissance. Tout le monde a oublié le drame de Sarajevo. Les officiels, comme les administrés, ne pensent qu'aux vacances. Des millions d'hommes et de femmes sont sur les plages en ce merveilleux mois de juillet. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne est introuvable. Que la guerre est loin. Le 21 juillet 1914, le colonel House, confident du président américain Wilson, est en voyage en Europe. Il lui raconte que les Européens ne pensent qu'au sport d'été, aux régates de Henley, où pour la première fois, un équipage américain a gagné la course, dirigé par le jeune bostonien Leverett Saltonstall. Partout, les présages sont heureux. La paix n'est menacée nulle part, sauf à Vienne. Le 23 juillet, le drame soigneusement scénarisé par le gouvernement de Vienne se poursuit. François-Joseph a signé un ultimatum à la Serbie. Tous les Slaves du Sud sont en émoi, et pas seulement les Serbes. Les télégrammes pleuvent sur les bureaux vides des chancelleries. L'ultimatum est une formalité. Konrad von Oestendorf, le chef d'état-major autrichien, est prêt pour l'invasion de la Serbie. On croit que les Serbes vont refuser l'ultimatum. Ils l'acceptent. Leur prince Alexandre se soumet, mais il mobilise ses soldats. Le cliquetis des armes est perceptible partout en Europe. Que fera le grand frère russe, le grand frère slave? Nicolas se montre à la foule, au balcon de Saint-Pétersbourg. Les Russes sont indignés par l'ultimatum autrichien. « Aidez nos alliés serbes », disent les pancartes des manifestants. En mer Baltique, l'empereur Guillaume a dû interrompre sa croisière. Les choses se gâtent à Berlin et ses conseillers demandent son retour. On se garde de montrer à l'empereur le texte de l'acceptation du prince Alexandre de Serbie. On veut laisser les mains libres aux faucons de Vienne. Partout, les ambassadeurs sont de retour. Berlin et Vienne sont en liaison permanente. Mais aussi Belgrade et Pétersbourg, Pétersbourg et Paris. Le 27 juillet, Berlin, Conseil des ministres extraordinaire. Le même jour à Londres, une voix pacifique se fait entendre, celle de Sir Edward Grey, le très calme secrétaire aux affaires étrangères. Il demande une intervention médiatrice du Kaiser. Pas de réponse. Le 28 juillet, l'Autriche décide d'intervenir en Serbie. Berchtold est convaincu que les puissances n'interviendront pas. Il s'est rallié à la théorie de l'état-major d'une guerre localisée. Les canonnières autrichiennes descendent le Danube et bombardent Belgrade.
Que va faire le tsar? Il cherche à gagner du temps, mobilise seulement quelques corps. Il engage une correspondance désespérée avec le Kaiser, signe ses dépêches, Niki. Guillaume lui répond sur le même ton et signe « Votre ami et cousin, dévoué, Wellé. » Bonne volonté réciproque, sans effet, il est trop tard. La pression des états-majors est trop forte. On explique au tsar que les Allemands mobilisent. Ils mobilisent à son tour. La guerre est inévitable. Même les intellectuels ont la fièvre. Thomas Mann écrit que la guerre est une purification, une libération. Herbert George Wells veut abattre l'Allemagne pour l'amour de la paix et du désarmement du monde entier. Le docteur Freud à Vienne affirme que toute sa libido est offerte à l'Autriche-Hongrie. Quant à Albert Einstein, alors âgé de 35 ans, il constate que la guerre est la volonté de l'Europe. De toute l'Europe. Unanime.